Salut les pâtissiers, eh bien, écoutez, bienvenue dans ma cuisine pour cette recette numéro 2. Alors cette semaine, vous avez pu constater, le beau temps est arrivé, plein pot, du soleil à gogo. Et du coup, j'ai réfléchi, quoi de mieux de déguster en terrasse un petit milkshake à la fraise, accompagné de petites meringuettes et d'un cookie. Donc voilà, la recette de cette semaine, donc milkshake, vous l'avez compris, milkshake à la fraise, meringuette et cookies. Alors on va commencer dans un premier temps à effectuer notre crème anglaise. Alors pourquoi je dis crème anglaise? Effectivement, des milkshakes, il y a plusieurs façons de le faire. Certaines personnes, pour faire un milkshake, prennent du lait, bien sûr les fraises et rajoutent des glaçons. Pour moi, on va faire notre milkshake à base de crème anglaise. Donc, ça va vous permettre déjà, dans un premier temps, de retravailler la crème anglaise. Et ensuite, on va stocker cette crème anglaise. Alors, soit vous avez des bacs à glaçons à la maison, ou soit vous avez, moi ici, à la maison, je n'ai pas de bac à glaçons. Je vais prendre des silpates. Vous avez vu des petites empreintes comme ça. Et je vais couler ma crème anglaise qui sera finie dans ces silpates. Et je mettrai ça au congélateur. Ensuite, donc, je vais démouler et ça sera ma base de notre milkshake. Donc, on aura des glaçons de crème anglaise. Voilà. Donc, dans un premier temps, comment on va faire? Donc, la crème anglaise, on va faire une crème anglaise assez riche. Donc, j'ai mis dans ma casserole, alors je vais baisser la caméra. Voilà, ici. J'ai mis dans ma casserole du lait et de la crème. Alors encore une fois, je fais suivre la fiche technique après la vidéo. J'ai mis donc une crème anglaise, il nous faut uniquement des jaunes. Ça, si vous mettez des œufs, ça ne sera pas bon. Donc j'ai mis des jaunes. J'ai le sucre en poudre et une gousse de vanille. Ok. Alors, dans un premier temps, je prends ici ma gousse de vanille. Je la fends en deux, comme ceci, et je récupère l'intérieur. On appelle ça gratter une gousse de vanille. Voilà. Donc, je mets tout dans ma casserole, donc dans mon lait et dans ma crème. Voilà, je récupère la quantité. Je dispose ma casserole sur ma table d'induction et je mets en route, je mets à bouillir. Pendant ce temps-là, je prends, alors je vais peut-être mettre ma casserole ici plutôt, voilà. Je prends mon cul de poule, je prends mes jaunes, donc là c'est la valeur de 4 jaunes, je verse mes jaunes dans mon cul de poule, comme ceci, voilà. Je verse le sucre en poudre dedans. Voilà, comme ceci. Et je viens blanchir. Alors, on blanchit légèrement. Voilà, comme ceci, ça suffit. Pourquoi? Si vous blanchissez trop, vous allez vous retrouver avec une mousse dans votre lait qui va vous embêter pour cuire votre crème anglaise. Donc là, je porte mon lait et ma crème à ébullition. Mon mélange lait crème vanille vient de monter à ébullition. Donc je verse une quantité, à peu près la moitié, sur mes jaunes blanchis. Voilà, comme ceci. Je récupère mon fouet, je mélange. Et je verse le tout dans ma casserole. Comme ceci, je récupère avec ma narise la totalité de ma recette. Donc je rappelle, la crème anglaise se fait uniquement avec des jaunes. À partir de ce moment-là, opération de cuisson. Alors, la chose très importante sur une crème anglaise, vous le savez, c'est la température. On ne doit pas dépasser 83 degrés. Sinon, on va se retrouver avec des points dans notre crème anglaise.
Donc ici, je prends une spatule. Alors, il y a deux solutions. Soit on cuit à la nappe comme je vais vous montrer, ou soit on a un thermomètre. On plonge son thermomètre dans la crème anglaise et on attend que soit indiqué 83 degrés. Je positionne ma casserole sur mon plat réduction. Là, je suis au niveau 4 et j'y vais tranquillement. Donc comme ceci, je fais des 8. Je fais des 8 dans ma casserole. On appelle ça vanner. Je diffuse la chaleur dans ma casserole. Donc là, on ne voyait pas à la caméra, mais il y a une petite mousse quand même qui s'est faite. Lorsqu'elle va disparaître, cette mousse, on sera pratiquement à la cuisson de 83 degrés. Donc voilà, je vais chercher l'ensemble de ma crème. Et j'y vais tranquillement. Voilà. Alors là, je pense que je suis bien. Je vais vérifier la cuisson. Donc on appelle ça cuisson à la nappe. Donc je prends ma spatule, je tire un trait et on s'aperçoit que les deux parties ne se rejoignent pas. Je recommence. Tac, je tire un trait. Voilà, comme ceci. Donc là, ça veut dire que notre crème anglaise est cuite. Donc j'enlève ma spatule, je prends un récipient, je prends alors un chinois, ou si vous n'avez pas de chinois, vous prenez une petite passoire, de façon, alors ça sert à deux choses, de façon à récupérer déjà dans un premier temps notre gousse de vanille qui est dans notre crème anglaise, et dans un deuxième temps, pour couper la cuisson. Le fait de passer la crème anglaise dans notre chinois va couper notre cuisson. Donc voilà, donc ici, je verse mon crème anglaise dans mon chinois. Voilà, là vous avez la gousse de vanille qui vient de tomber. Je récupère ma marise. Et je verse la totalité. Voilà, comme ceci. Donc ici, je fais en sorte de tout récupérer. Voilà, comme ceci. Donc dans mon chinois, je retrouve ma gousse de vanille. Voilà, un petit coup de propre. Donc voilà les chefs, ici j'ai ma crème anglaise. Si jamais vous n'avez pas fait attention, il y a eu une ébullition dans votre crème anglaise, c'est-à-dire que là si vous relevez votre spatule, votre marise, vous avez des points sur votre crème anglaise. Pas de panique. Vous ne l'achetez pas. Vous prenez un mixeur plongeant, plongez dedans. Bon, aujourd'hui, elle est bien, mais je vous montre quand même. Et vous donnez le mixeur. Voilà. Et là, vous allez retrouver une crème anglaise lisse et nappante. Je vais chercher mes empreintes. Encore une fois, donc j'en ai pris deux, mais avec un, je pense que ça sera suffisant. Donc, j'ai pris un plateau pour le transport, bien sûr. Et je verse donc ma crème anglaise dans les empreintes. Pour avoir nos glaçons de crème anglaise. Alors, on y va tranquillement. Donc, j'ai rempli une plaque, quasiment deux plaques, hein. Il me reste trois empreintes libres. Donc, ceci au congélateur de façon à avoir des glaçons. Alors, suite de notre recette, nous allons procéder à notre meringue suisse. Alors, pourquoi j'ai fait une meringue suisse? Parce que pour faire votre crème anglaise, je vais utiliser 4 jaunes, donc il vous reste 4 blancs. Donc, on ne va pas jeter ces blancs, on va les utiliser pour notre meringue. Donc voici les 4 blancs, je vais en prendre à peu près la moitié. Donc je vais peser, vous devez le savoir, un blanc d'œuf fait 30 grammes. Je vais peser à peu près 60 grammes. Voilà. Ensuite, je vais doubler, donc là j'ai 60 grammes. À peu près, là j'ai 70 grammes. Je vais doubler
cette quantité par du sucre entier que je verse directement sur mes blancs. Comme ceci. J'allume mon bain-marie. Ici. Mon bain-marie est là. Donc je prends ma cuve avec mes blancs et mon sucre. Et je pose sur le bain-marie. Et je monte. Donc je monte jusqu'à arriver à une température aux alentours de 55-60 degrés. Alors pour ça, pour vérifier, de temps en temps, je touche la surface des blancs. Jusqu'à temps que ça nous pique le bout du doigt. Lorsque vous aurez cette petite chaleur au bout du doigt, vous serez aux alentours des 55 degrés. Donc en attendant, eh ben je monte. Donc je vérifie. Là, je ressens cette petite chaleur. Donc je suis aux alentours, je coupe mon feu. Je suis aux alentours des 60 degrés. J'enlève mon fouet. Je récupère ma cuve. Je suis. Alors effectivement, là, je vais utiliser mon batteur. Si vous n'avez pas de batteur à la maison, et bien, il suffit d'enlever sa cuve et de continuer à battre jusqu'à refroidissement. Ça va vous faire les bras, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Donc ici, je prends mon batteur. Je positionne ma cuve. Et on est parti jusqu'à refroidissement. Alors voilà, notre meringue a refroidi. Donc je coupe mon batteur. Je décolle le fouet. Je tape le fouet pour enlever la meringue suisse qui colle dessus. Donc là, je prépare une poche. Je mets ma douille à l'intérieur. J'ai pris une douille unie. Je pousse ma douille pour la fixer dans ma poche. Je prends un couteau et je fais le tour sur ma douille. Et je retire le bout principal. Aussitôt, je bouche ma douille. Il faut toujours avoir ce réflexe. Aujourd'hui, on ne sera pas embêté parce qu'on a un appareil qui est solide. Et si un jour vous travaillez des appareils liquides, il faut boucher cette douille pour éviter que ça coule en même temps. Donc le positionnement de cette poche, là, on l'utilise comme ça dans sa main. Et ensuite je remplis. Donc je vais chercher ma meringue suisse. Vous avez vu, elle est magnifique. Donc, pour ça j'utilise une corne. Et je viens racler sur mes doigts. Comme ceci. Donc un peu plus de deux blancs, hein. J'avais deux blancs, un peu plus de deux blancs. Ça équivaut, voilà, à cette poche, quantité d'une poche. Donc à partir de là, ben, je vais effectuer mes petits bâtonnets. Donc tout simplement, je vais pocher, voilà, sur mon papier sulfu, comme ceci. Alors là, vous avez vu que ma plaque tourne, donc je vais poser un torchon dessus. Alors je ne vous ai pas parlé, derrière moi mon four est à 70 degrés. Et voilà, et je continue à pocher mes bâtonnets de meringue suisse. Voilà, ensuite moi j'utilise un petit peu pour agrémenter nos bâtonnets. De la poudre de coco que je viens parsemer dessus, donc ça va coller. Voilà, comme ceci. Petit côté déco. Puis au niveau du goût aussi, hein, ça, petit côté coco. Avec notre milkshake à la fraise, ça va être sympa, quoi. Voilà. Ma meringue donc suisse terminée. Donc je rappelle, démarrage au bain-marie, on double la quantité de sucre par rapport au blanc, on monte jusqu'à temps que ça nous pique le doigt, une fois que la chaleur nous pique le doigt, on est aux alentours de 60 degrés, on retire notre cul de poule, et hors du feu, on continue à battre, soit à la main, soit au batteur. Une fois que c'est refroidi,
vos pochés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des bâtonnets. Vous pouvez faire des rosaces, vous pouvez faire des petits bonhommes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Libre à vous et à votre imagination. Moi, aujourd'hui, j'ai pensé à ça pour tremper, encore une fois, dans notre milkshake. Donc là, j'envoie en cuisson pendant minimum une heure et demie. Allez, suite de notre recette. Comme vous le voyez, les meringues sont en train de sécher au four. Donc là, on va procéder à la réalisation de nos cookies. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour les cookies? Il va nous falloir du beurre qu'on va transformer en beurre pommade. Il va nous falloir de la cassonade. Il va nous falloir un jaune d'œuf. Il va nous falloir de la farine et de la levure. Alors, j'ai pris de la levure chimique Alza que j'ai mis dedans, 6 grammes. Et il va nous falloir chocolat et noisettes. Alors, les noisettes, j'ai pris des noisettes comme ceci là. Voilà. J'ai mis dans une petite plaque. Je les ai mis 10 minutes à 180 degrés pour les torréfier, pour qu'elles aient un petit goût de noisettes grillées. Donc, je les ai torréfiées, j'ai enlevé la petite peau. Et voilà. Donc, mes noisettes sont ici. Alors, comment on va procéder? Je rallume, vous récupérez. Vous reprenez le bain-marie que vous avez utilisé, voilà, ici, tout à l'heure pour la meringue. Alors, je prépare mon torchon pour stabiliser mon cul de poule. Alors, comme d'habitude, mon cul de poule sur mon bain-marie pour effectuer un beurre pommade. Donc, je laisse fondre une petite partie du beurre. Voilà, je laisse descendre. Voilà, là, c'est suffisant. Je coupe ma plaque. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le peu de beurre fondu est suffisant pour faire fondre le reste. Alors, donc, je travaille mon beurre pommade. Donc, à ce moment-là, vous versez votre cassonade. Tout doucement. Et ensuite, on y va. Donc, vous crémez l'ensemble. Sucre et cassonade. Bien accéléré. Voilà. Donc bien crémé, je vous recommence à faire un petit coup. Ensuite, vous venez mettre votre jaune. Et on mélange. Doucement au départ et on accélère. À partir de là, vous enlevez votre fouet. Donc, comme tout à l'heure, on tape le fouet sur le côté pour enlever le maximum d'appareil. Ensuite, on vient mettre notre farine et notre fécule tamisée. Donc, je verse ça dans mon tamis. Et je tamise. Hop, un petit coup avec la main. Comme ceci. Je prends ma marise et je mélange l'ensemble. Voilà. Comme ceci. Là, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer le chocolat et les noisettes. Alors pour ça, il va falloir concasser notre chocolat et notre noisette. On est d'accord qu'on ne va pas mettre la pistole entière et puis la noisette entière. Donc soit vous prenez une planche avec un couteau et puis vous allez délicatement. Vous à la maison, vous allez utiliser des tablettes au chocolat. Donc soit vous cassez les petits morceaux avec le couteau, hein, c'est faisable. Ou soit, moi je, voilà, pour aller plus vite, j'ai un petit mixeur comme ça. Je mets mon chocolat dedans. Mes noisettes. Je viens mettre mon couvercle. Je mélange un peu. Et c'est parti, un petit coup. Alors il faut qu'il y ait des morceaux. Hein. Donc on ne veut pas de la poudre. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Je mélange encore à la rigueur un coup. Voilà. Alors j'ai encore quelques gros morceaux. Ouais, je vais redonner encore un coup.
Voilà. Donc, j'ai mon mélange de noisettes et de chocolat en morceaux. Je verse dans l'appareil. Tac, comme ceci. Et je mélange l'ensemble. Je retire ma marise. Je prends ma corne. Je rassemble bien au centre. Et je viens filmer au contact. Comme toutes les pâtes et crèmes. Pour éviter que ça sèche. Voilà. Ça, je vais mettre ça au frigo une demi-heure, une heure pour laisser reposer. Alors, les cookies, la pâte à cookies à reposer une demi-heure, une heure. Voilà. Peu importe, hein, vous laissez au minimum une demi-heure. Donc là, j'ai sorti l'appareil. Donc là, c'est bien dur. Je vais le retravailler devant vous. Et ensuite, je vais peser, bouler et les mettre sur plaque. Alors, pour commencer, les meringues ont fini de sécher. Donc, je vais sortir les meringues. Programmer mon four à 170 degrés. Et puis, on attaque les cookies. Donc, les meringues, écoutez, vous les prenez. Hein. Vous cassez des petits bâtonnets de la taille que vous désirez. Voilà, il y aura même des petites chutes. On s'en servira tout à l'heure. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même relativement simple à faire. Avec deux blancs, j'ai fait quand même, j'ai réussi à faire toute cette plaque. Voilà, c'est sympa. Alors, voici l'appareil à cookies. Donc, je le retravaille un petit peu, je décolle du moule ma pâte à cookies. Voilà, pour pouvoir la façonner. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je l'avais travaillé un petit peu avant. Voilà. Ici, je prends ma balance. Je l'allume. Je vais prendre un petit morceau de film. Voilà, je filme ma balance pour protéger, pour éviter de la salir. Voilà, ma balance, je la terre à zéro. Ici, j'ai préparé une plaque avec un papier sulfu. Et là, je récupère donc mon appareil à cookies. Donc, le but étant de faire des boules de 40 grammes, excusez-moi, 40 grammes. Voilà, 40 grammes, on obtient ceci. Donc ensuite, dans le creux de la main, les mains propres bien sûr, hein, vous faites une jolie boule comme ça. Voilà, une bille de cookie. Vous positionnez ça sur votre plaque et ainsi de suite. J'attaque mon deuxième. Voilà, j'enlève un tout petit peu. Voilà, 40 grammes. Donc pareil, deuxième bille. Comme ceci. Je positionne à côté. Ça va s'étaler, donc on espace hein, les sphères. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cookies. Si je les laisse comme ça, ils vont se coller entre eux et ça va, on aura du mal à les récupérer. Donc, je vais les cuire en deux fois. Alors, je vais en mettre un ici, trois comme ça. 2 en quinconce et 3 comme ça. Voilà. Et il m'en restera donc 4 à cuire après. Donc je fais ça. Je fais attention de décaler au niveau des bords, de bien centrer ici, ici, ici et ici. Voilà, comme ceci. Dessus, vous mettez un papier cuisson par-dessus.
J'ai récupéré ma plaque où il y avait les meringues. Je positionne dessus et j'appuie. Comme ceci, fortement. Voilà, les deux plaques se touchent. Je retire, je pose ma plaque ici. Je retire mon papier cuisson. Voilà, là j'ai quelques cocos. Voilà, donc vous avez vos cookies. À la rigueur, je rapetis encore un petit peu pour les agrandir. Voilà les pâtissiers, mes cookies sont prêts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cookies sur plaque. J'enfourne pour 12 minutes, 170 degrés minimum. 4, 3, 2, 1. Voilà, les cookies sont cuits. J'ai fait environ 14 minutes à 170, en fonction de votre four, hein, attention. Voici nos cookies. Donc là, je les mets sur ma table induction. Alors comme d'habitude, il faut éviter de laisser un biscuit sur une plaque chaude, sinon ils vont sécher. Donc là, il va falloir glisser notre feuille sans abîmer les cookies, comme ceci. Voilà, j'en ai cassé un, pas très grave. Je le reprends avec la chaleur, il va rester, il va reprendre. Voilà, donc là, on laisse reposer sur la grille à refroidir. Voilà les chefs, donc vous avez vu, rien de compliqué. Ça va quand même relativement vite. Vous allez avoir des cookies moelleux, avec du goût. Surtout, il faut torréfier les noisettes et du chocolat. Alors, si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Pour le défi, j'avais mis des M&M's. Pourquoi pas, à la place du chocolat, vous broyez des M&M's dans vos cookies et ça mettra de la couleur et un côté sympa. Vous imitez ce que vous voulez, mais du chocolat blanc, du chocolat au lait. Moi, voilà, aujourd'hui, j'ai utilisé des noisettes que j'ai torréfiées et j'ai mis du chocolat noir, mais à vous de changer. J'ai mis 40 grammes, vous pouvez mettre plus aussi, vous pouvez les agrandir, faire des plus petits aussi pour un petit café, des mignardises. Vous pouvez les diviser par, faire des petits cookies de 10 grammes que vous mettez à côté d'une tasse et ça fera un petit gâteau sec pour aller avec le café, ça sera parfait. Donc voilà, là aujourd'hui, 40 grammes. Allez, je renfourne et c'est parti. Bon, en attendant la deuxième cuisson qui est dans le four derrière moi, j'ai sorti mes glaçons de crème anglaise pour notre milkshake. Regardez, ici, là. Voilà, ils sont là. Donc là, vous les démoulez. Voilà, notre glaçon, il y a un peu la vanille au fond. Et vous les mettez dans une boîte. Alors, comme tout ce qui est complet, il faut la relativement vite. Hein. Pour éviter de rompre la chaîne du froid. Voilà, comme ceci, mes glaçons de crème anglaise couverts et ils repartent au congélateur. Bon, les pâtissiers, ça y est, on y est. Place maintenant à notre milkshake. Mes verres sont prêts, les pailles aussi. Alors, c'est parti. Alors, pour faire un petit côté sympa, je vais givrer mes deux verres. C'est-à-dire que là, j'ai pris de la grenadine. Alors, je mets dans le fond là. Là, je trempe mon verre dans la grenadine, j'enlève l'excédent et là, c'est du sucre semoule. Ça, je pense que vous l'avez tous fait. Et je trempe mon verre dans le sucre semoule. Ok, vous avez un joli verre givré. Donc, j'ai mes 250 g de fraises. Je pose mon récipient sur ma balance. J'ai été chercher mes glaçons de crème anglaise. Je mets aussi 250. Donc là, 1, 2, voilà, donc 250 g de glaçons crème anglaise, 250 g de fraises fraîches que j'ai lavées auparavant. Alors ça, vous pouvez le faire avec des framboises, avec n'importe quel fruit. Hein. Aujourd'hui, j'ai choisi la fraise parce qu'on est en plein dedans et que c'est un fruit qui est sympa. Mais voilà, vous pouvez aussi le faire comme vous voulez. Alors moi, je vais utiliser un blender. C'est mieux, voilà. Si vous ne l'avez pas, vous prenez le mixeur que j'utilise tout à l'heure pour la crème anglaise. S'il est assez puissant, vous mettez ça dans un verre mesureur et puis on commence à mettre les fraises dessus. Vous faites fraises anglaises et fraises. Et ça devrait fonctionner. L'idéal, c'est le blender. Alors, j'ouvre mon blender. Je verse le tout dedans. Regardez ces cubes. Ces fraises, je ne les ai même pas coupées.
J'aurais dû peut-être le couper. Après, c'est assez costaud. On est parti ? Mille check. Comme ceci, je vérifie la texture. On est parfait. Mes deux verres sont ici. Allez, on est parti. Les 2000 chèques sont prêts. Une paille. On n'est pas bien là. Je mets ça sur mon plateau. Ici, on se retrouve avec les cookies, nos bâtons de meringue et nos 2000 chèques fraises. Bon, les pâtissiers, voilà, on y est. Regardez-moi ça. Mon milkshake est là, ma petite meringue. Je prends ça. On n'est pas bien là? Moi, je vous dis ça, c'est un régal. C'est du pur bonheur. Ah, vous plantez pas, hein. C'est pas là qu'il faut aspirer, c'est là. Ok? Alors, je compte sur vous. Je vous souhaite bon courage. Si vous n'avez pas envie de faire la fraise, comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez, la framboise à la banane ou autre. En tout cas, ce que j'attends de vous, c'est le milkshake, le cookie, à la rigueur, les meringues. Ce serait bien d'avoir les meringues aussi. Faites un ensemble. Bon courage et on se dit à la semaine prochaine pour la troisième recette. Bye bye!